Hey, salut à tous, c'est Uzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle mission. Il s'agit d'une mission qui a été tirée du premier Hitman. Pour ceux qui se rappelleront de cette mission, bah écoutez, j'espère que ça vous rappellera de bonnes choses. Donc, nous sommes ici équipés d'armes plus ou moins légales. Et du coup, on va se faire fouiller à l'entrée de l'hôtel. Donc, autant laisser nos armes ici. Tout en gardant la mallette, bien sûr. Tac. Et tac. Et même la seringue est considérée comme une arme quelquefois. Donc, bon. Voilà, on met toutes nos chances de nos côtés. On garde la petite mallette. Et on y va. Alors, désolé si les épisodes de Hitman Contract sont plus du tout publiés à la même vitesse que d'habitude. Je suis actuellement sur Uncharted. Et je suis vraiment à fond dessus. Donc, du coup, je délaisse pas Hitman. Sauf que bah, mon PC il fait pas multifonction. Il peut pas coder 500 vidéos à la fois. Y'a pas de soucis, tu peux fouiller. Üdvözlöm, uram. Fáradjon be, kérem. Stop, monsieur. Je dois vous fouiller. Écoute, fouille. Très bien, je ne bouge pas. Pas d'armes ici. Je dois les prendre. Ah d'accord, il a pris ma petite mallette. Oh, c'est pas... C'est pas méchant. Ils ont pas essayé de me tuer ou quoi que ce soit. Alors, on a... le briefing à écouter, bien sûr. Bonjour, donc. 47. Les frères Fuchs frappent encore. Il semble que Franz Fuchs s'apprête à déposer une bombe chimique lors d'une conférence de l'ONU à Budapest. Il s'est installé à l'hôtel des Thermes sous le pseudonyme de Björn Wolf. Notre client veut que Fuchs soit abattu en toute discrétion et que vous récupériez la bombe pour analyse. La sécurité étant renforcée, la discrétion est de mise. Une de nos voitures vous récupérera quand vous aurez terminé votre mission. Ok, donc il faut tuer Frank Fuchs et Fritz Fuchs. Il y a quasiment rien qui a changé dans cette mission, ça c'est... logique ? Non, même pas. J'ai essayé de voir si je peux prendre toujours ma chambre. Normalement oui. Bienvenue à l'hôtel des Thermes, monsieur. Monsieur Metzger, veuillez signer le registre. Je crois que mon ami, monsieur Wolf... À la chambre 202. Ah, monsieur Wolf, un homme tout à fait charmant. Voilà votre clé, monsieur. Elle vous permettra d'utiliser le service d'étage, d'obtenir vos messages, okay. De régler les pédicures, manucures et autres. Je vous souhaite un agréable séjour. Merci, merci, merci. Donc vous avez compris, il faut aller à la chambre 202 pour tuer notre première cible. Alors. Là c'est bon. 208. Bon. On espère ne pas s'être trompé. Le flic a pas l'air très très opposé à ce qu'on passe par là. Mais c'est pas par là qu'on devait aller, je pense. C'est peut-être de l'autre côté du coup. Là je suis à la 208 déjà. Moi je cherche la 202. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. On va passer par là tranquillement. Donc là, il y a un petit peu de musique qui sont remis enfin. Alors, je me disais que. Ils avaient un peu tout ça. Normalement, j'ai pas le droit de passer si. Alors là, on va monter en haut. Faut qu'on trouve la chambre 202, va pas être difficile à trouver. Attends, si on suit les numéros, on est déjà à 307 là, il y a un problème. 302. C'est chelou ici. Je sais pas comment ils rangent les hôtels, mais... Ils le font très mal. En tout
cas, c'était pas là qu'on doit aller, c'est la chambre 202 qu'on doit aller, non. Non, premier étage. Premier étage, j'ai dit. Ok. D'accord, ah ouais, d'accord, notre cible est juste là, en fait. Y a pas de souci, on va y aller direct. En fait, ça fait le tour. Moi, j'étais complètement con, j'ai cru que c'était à l'autre côté du coup. On va un petit peu réfléchir, Uzo. C'est peut-être la meilleure chose à faire, voilà. Récupérer le pass comme ça. Alors lui il surveille il surveille tranquillement son... Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. On va attendre que le flic passe. La cible a été à cet étage là. Ok, là on va faire une petite sauvegarde. On va prendre conférence. Non, on va créer nos sauvegardes directement et on va attendre. Que du coup, ce garde sorte pour pouvoir l'étrangler et se casser. Du coup, je fais une petite sauvegarde, on sait jamais, un petit bug. Ah, le garde nous repère, je sais pas. Je me prépare à toute éventualité. Ok. Allez hop, on va sauter sur le balcon. Ok, du coup, là, on prend... Voilà, ça c'est fait. Ah, oh, le mec avec son string rouge. Voilà, il fait pas long feu. Ok. Alors, le laisser sous la douche, voilà. Ni vu ni connu. Normalement, je peux prendre ses vêtements, la clé de Fuchs, l'allée de Franz et l'allée de Fritz. Ok. Et ça, on va le mettre sur la porte de l'autre truc. Ça encore, on peut le, voilà, on peut le mettre là. Lâcher le corps, c'est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme détail? Bonjour, 47. Les frères Fuchs frappent encore. Ils sont... Je sais pas, ils parlent bonjour, de... Bonjour, 47. D'informations plus, je vois pas d'informations plus. Ok.
va sauter de balcon en balcon. Voilà, tranquille. Moi, je vous dis, on laisse la manette là jusqu'à ce qu'on s'occupe de l'autre. Personne qui va me la voler dans tous les cas. Voilà, comme ça, personne ne viendra déranger ma chambre. Donc là, faudrait qu'on aille du coup s'occuper. Pourquoi là, bon, c'est bon, je l'ai récupéré. Donc, bonjour, 47. Elle est là. Assassiné Fritz. Alors lui, je crois que c'est dans son petit bain là. Il faudra le, aller le tuer. Alors que c'est fait lui. Ouais, faut que je descende. Ah ouais, d'accord, il y a eu un assassinat ici. Subtil. Donc lui, normalement, il va partir là-bas. Putain, ça a été violent, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, carrément. Y'a rien qui a été épargné, quoi. C'est... blagueur. Non, 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 non. Et ça, il va le dire à tout le monde. Voilà. Fait chier, hein. J'aurais dû sauvegarder du coup plus tôt. Je sais que le mec va prendre un peu de temps. Ok. On va reprendre vite fait la corde à piano. Ok. On va tuer le mec en string direct. Voilà, ça c'est fait. On récupère vite fait les informations. Il me faut la lettre de Franz, la lettre de Fritz, la clé de Such. Il me faut le pas déranger. Ok. On va traîner le corps dehors pour pas se faire repérer. La valise, la mallette aussi. Lâcher le corps. Annuler. Non. Ça m'intéresse pas. Prendre les vêtements. La mallette. Et on se casse. Ouais, par contre, je voudrais bien de ça. J'aurais besoin de cette arme pour tuer juste le... Vous savez, le petit flic là qui est à me prendre sa douche. Du coup, hop, on saute, on met le ne pas déranger et on se casse. Hop, on le met ici. On ferme la porte. On place la note et on se casse. Ok, on descend tranquillement. Et là, voilà, là, on va sauvegarder. On va éviter de faire la même connerie que tout à l'heure. Putain, la lumière d'un coup. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent ? Il y a eu un accident, monsieur. Ne restez pas là, il n'y a rien à voir. Juste un vilain accident. Ouais, je vois le genre. En gros, je pense que ça doit être une erreur policière. Et que le mec... il a décidé de faire joujou, quoi. Alors.
Ok. Hop. Hop. On va le traîner. Ok, on va se changer de vêtements. Mais du coup, j'aurais plus besoin de mon arme. Ça, c'est sûr. Ok. C'est un peu chelou comme partie de l'hôtel quand même. Ça fait vraiment hôtel bizarre. Bon. En tout cas, il faut qu'on prenne l'ascenseur, qu'on aille dans notre chambre en attendant. Vas-y, pète la serrure là. Ok. Vas-y, prends l'ascenseur. Deuxième étage, nous on était, c'est ça. Chambre 303. On va voir ce qu'il y a dans notre chambre, on sait jamais. Bah, normalement, la chambre qu'on a, clé de fuch. Clé 301. Non, c'était 301. Qu'est-ce que j'allais dans une chambre d'une personne, moi. Que nous on a rien du tout dans notre chambre, on nous a rien prévu, je pense. Non, même pas une petite arme, rien. Bon, j'aurais cru. Alors, on aurait tenté, les gens. Il y a quoi ici? On a le bouton d'alarme, mais bon, ça va pas franchement utile. Alors, on va au rez-de-chaussée. Et du coup, on va s'amuser à tuer l'autre que je ne sais pas où il est parti. Mais normalement, il va revenir vers les bains, si je me trompe pas. Ouais, super. Comment ce frère découvrir, les gars? Je peux pas passer par là. Du coup, ça me sert à rien de tuer le flic. Ouais, on va passer par là-bas. Vas-y, on va remonter. Personne ne nous voit. Allez, hop, on remonte. Et on va passer par là. Je me suis trompé d'entrée déjà. Si je me trompe d'entrée, ça va pas le faire. Mais je me rappelle à l'époque, dans Hitman 1, moi, j'étais obligé de prendre le costume de ce mec-là, avec son aspirateur, pour pouvoir passer partout, en fait. Merci mec de ton insulte. Non merde, là c'est un peu cramé. S'il y a personne, il faut vraiment que je lâche mon arme ici, quoi. Voilà. Sinon je me fais repérer dans la... Je suis dans la merde. Ok, nickel. Je me rappelle aussi, il y avait une partie cuisine. Et en fait, dans celui-là, ils ont enlevé pas mal de choses quand même. Ça ressemble pas mal, je suis d'accord, mais ils ont enlevé quand même pas mal de choses. Donc ici c'est les toilettes ou je sais pas quoi. Ok.
Ok, donc là il monte les escaliers. Nous normalement... Normalement nous on devait pouvoir, tu sais, s'habiller en... Se mettre en homme... En mode maillot de bain, tu vois. Mais non, là on peut pas. Voilà, du coup, je vais commencer à sortir ça. Étant donné que j'ai pas d'armes, on va devoir se faire ce keuf. Comme ça, voilà, au moins c'est fait. On va sauvegarder. Et on va faire une conférence explosive encore. Allez, allez, mon pote, bouge tes fesses. Voilà. Y'a personne qui arrive, non, vas-y, go. On va le foutre ici, dans ce Haman. Ok. Ici. Voilà, porte, traîner. On le fout ici, personne va le voir. Prendre les vêtements, c'est nickel. Voilà. On l'a bien assommé là. Est-ce qu'on peut la mettre dans l'eau? Non, ça la tue pas. Bon bah écoute. Chick, 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 bah chick, chick, aïe aïe aïe. Hop là. Désolé, je suis obligé de te tuer. Tu parles trop. Voilà. Je pense qu'elle devait coucher avec le keuf. Et du coup, là, elle va pas faire capoute mon plan. On va la foutre dans une cabine d'essayage là. Oublié que j'ai même pas vu qu'il y avait un civil qui venait, tu vois. Donc elle a dû me voir traîner le cadavre et du coup bah voir son copain mort quoi. Tchik tchik, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas elle bloque la porte et traîner. Voilà, voilà. Et maintenant plus qu'à attendre le gros qui vient de faire sa douche. Elle attend de descendre. Ok. Donc on va pouvoir faire sa petite douche. Bon, je prends un peu la flotte. Et en fait, quand il va arriver ici, il faudra juste tourner ça. Et il sera... il va bien mourir, tu vois. Il va prendre cher, comme on dit. Donc là, en tout, j'ai éliminé 1, 2, 3, 4 hommes. Plus ma cible, ça va faire 5. Normalement j'aurais fait assassin silencieux. Peut-être que juste en tuant le civil, ça va peut-être me niquer et me mettre en professionnel. Ce que j'espère pas. Bon, j'ai tué un civil quoi, c'est pas énorme quoi pour un tueur à gages, c'est normal quoi. On laisse pas de comment on appelle ça, de... Je sais même pas le dire. On laisse pas de témoins, voilà.
sa petite douche. Le flingue, on va le laisser. Parce qu'on est silencieux. Après, faudra remonter à l'étage, récupérer la mallette. Du coup, notre costume. Et on se casse. Il fait un petit bain et tout. Tranquille. Mais on va le tuer. Je pourrais le tuer là. Mais j'ai envie de le tuer, tu sais, dans cette machine là. C'est plus plus vivant, tu vois. Allez mon pote là, finis ton bain là. On va quand même sauvegarder. On attend depuis un bon moment. J'ai pas envie de tout recommencer. Mais là il prend du temps. Il prend son temps le gros. Ce que je sais, c'est que je peux pas le tuer. Regardez, il y a des fenêtres en haut. Et du coup il regarde un peu tout en fait. J'avais pas remarqué. J'ai failli peut-être me faire opérer comme ça, mais j'ai eu de la chance. Allez. Jamais sortir de son bain là. On attend de regarder un bain les gars. Allez ma poule. Ah, il y avait une fenêtre ouverte, je pense qu'on aurait pu passer par la fenêtre. Allez lève-toi là. Je sais pas que ça va faire, gros. Bon, il va jamais le faire. Il va jamais se lever. Du coup, bah, non. Je vais pas faire mon. Voilà. Ok. C'est bon, c'est parfait. On a tué nos deux cibles. Il faut récupérer la bombe et c'est parti. On va repasser par en haut. On va peut-être pas repasser par en haut comme ça. On va récupérer sûrement mon costume déjà un petit peu avant. Donc le mec, voilà, je l'ai tué d'une certaine manière, je savais même pas qu'on pouvait le tuer comme ça. On va reprendre le costume de garde. Et voilà, c'est parti. On court un petit peu. On se casse ici. Sans être vu. Putain, j'ai flippé ma race. Qu'est-ce que fout le keuf ici, quoi? Allez, c'est parti, on peut se casser. Ok, nous on va remonter par en haut, récupérer ma mallette. Et partir. C'est pas difficile. Cette mission en fait elle est pas si difficile que ça. C'est juste réussir à savoir comment passer, comment pas trop attirer l'attention, tout ça, tout ça. Ah, y a pas de difficulté apparente en fait. Je pense que c'est la mission pour moi la plus facile qu'on a eu dans Hitman.
Et on n'a pas eu besoin vraiment d'utiliser nos armes. Ok. On se casse avec la valise. Et on évite de passer devant le garde. Ok, nickel. Donc en fait, du coup, en bas, la salle a été inutile. Ok, pas de problème au niveau de ça. On s'est toujours pas fait repérer. C'est une bonne chose. On va peut-être prendre l'ascenseur. Best solution ever. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais il n'y a pas d'escalier. D'accord. On va quand même sauvegarder. La petite peur au ventre. Tu sais... de te faire repérer comme une merde. Oh putain, ça a pas sonné. Ouf. Ouf ouf ouf. Allez, on se casse de l'hôtel Galar là. Et on aura normalement fini la mission. Attention, c'est un 5 étoiles. Ah bah franchement, belle 5 étoiles. Où l'exit? L'exit, il est par là-bas. Ok, salut les amis. Putain, le mec qui se passe en mode normal quoi. Ok, c'est bon, on se casse. Récupère la bombe chimique. 47. Attends, mais j'ai quoi là? Spécialement pour transporter des bombes chimiques. Oh non, fais chier quoi, j'ai pas récupéré la bombe. Ah, fais chier putain. Elle est à l'étage la bombe. Putain, je parie con, tu sais, à revenir. Ok. C'est bon, ça. Quand j'ai compris, ça va être là, la bombe. Ok. Bon, allez, encore 5 minutes et on a fini la mission, les gars. J'avais complètement oublié que la bombe fallait la récupérer. Bon. Je crois que c'était directement dans la manette, moi. J'ai été un peu stupide. Quand j'étais à la serrure, on va se faire repérer direct. Je t'ai pas déjà tué, toi? Ok. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Non, monsieur. La journée a été longue. Mes genoux me font un mal de chien. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas quelques minutes? Il n'y a plus que nous. Non, monsieur, je n'ai pas le droit de... Je peux surveiller le bar pour vous. Mon nom est Metzger, j'ai une chambre ici. S'il y a de la casse, vous pourrez la mettre sur ma note. Ah, et puis zut, rien qu'une minute. Vas-y. Allez-y, mon vieux. Prenez votre temps. Mesdames, bonne merde.
Putain, le flic, il est venu d'un coup, là. Hé, hey, casse-toi, là. Putain, me pète pas les couilles, gros. Oh putain, fais chier. Ok. Je sais pas où est la bombe. Là-haut. À mon étage, d'accord. Oh, ça va pas être difficile. Mais voilà, mais c'est toujours ça avec moi, je comprends pas les gars, vous me voulez quoi. Bon, étant donné qu'on est là, autant... on va prendre l'ascenseur, on va pas perdre de temps. Voilà, les erreurs que je fais, faut pas les faire. Mais j'ai pas compris pourquoi il m'a tiré dessus, c'est bon, je vais aller me servir dans le bar. Y a pas mort d'ob. Dis pas que cet ascenseur. Bon. Donc là, il doit avoir minimum, je pense, un deuxième. Ouais, pour accéder au deuxième étage, je pense qu'il y a un moyen, non ? Là devant. On va passer par là. Au final, je me suis peut-être trop avancé en disant que c'était facile. C'était pas si facile que ça, je pense. Mm-hmm. Putain, ils se ressemblent tous les civils, c'est un truc de ouf. Ça va être chaud là. Ok. Pas l'air de trop bouger quoi. Ah, ça pue la difficulté là. Oh non mais non, putain. On va sauvegarder, putain, ça me gave. Cette mission me saoule déjà. Tu piches quand je te cause ! Casse-toi de là ! Je me casse. Ça va être difficile là de passer, ouais. En plus, cette meuf elle parle toute seule là. Ça commence à me saouler. Vas-y, casse-toi là, tu me pètes les couilles, meuf.
Devenu connu. On va le foutre là. On va prendre la mallette. Et on va passer tranquille. Ok. Bon, ça c'est fait. Bon, c'est pas la technique hein, normalement. Mais y a rien à faire. Oh, donc on le bute. Ça va plus vite. Ok, on les élimine. Ok, ça c'est bon. Porte fermée? Comment ça, porte fermée? Du moins que t'as la clé, quoi. Putain, elle est où cette clé? Bon, les gars, on est dans une merde noire. Donc, la clé doit être par là, je sais pas. Où est-ce qu'elle peut être, la clé? Ok. Si la clé, elle peut pas s'ouvrir, c'est qu'il y a un problème là. Fiole de poison. Ah, c'est pas possible, j'ai raté un épisode ou. J'ai raté un épisode moi. Obligé. Putain, lâche ton arme. Ok. Faut tourner, on va retourner sur le cadavre de l'autre là. Il doit tout avoir, je pense. Avoir. C'est pas possible, sinon je vais regarder la solution sur internet. Mais là ça a l'air un peu une mission facile qui devient un peu difficile là. Hop. Putain. Je me disais bien, il avait la clé ce bâtard. C'était sûr. Il a rien laissé dans ses vêtements lui. C'est ici qu'il s'est changé ou c'est là. Non, non, il a rien laissé d'autre. Bon, on a la clé, c'est bon les gars. On a la clé, on fonce là-haut. C'est parti. Ouais, c'est vrai que chaque fois ce garde il vient vérifier que la porte y a personne qui vient. Voilà, vérifier qu'il y a personne. Voilà, on repart. Nous on remonte en haut, on ouvre la porte et on se casse. J'ai complètement oublié de le fouiller. Si je l'avais fouillé, on l'aurait réussi. Direct. En plus cette fois, pour cet épisode, je parle de la musique. C'est vrai que la musique est bien plus présente dans cet épisode que dans les autres. On a quand il y a les moments d'action, de trouble, de suspense, la musique est là. Alors que dans les autres moments, elles n'étaient pas là. Enfin, je sais pas si c'est un bug du jeu, que j'ai pas eu les musiques comme par hasard. Mais franchement, là on les a. Et ça c'est franchement cool. Donc du coup, on va monter. On va faire ça. Bonjour mademoiselle. Allez hop, je cours vite fait. Ok.
je prends la balette à bombe. Je mets ça là. On fout la bombe dedans et on se casse. 47 avec des lunettes de soleil. Toujours la classe. Putain, il a mis la bombe à l'envers quoi. Ok. Ok, hop, premier étage direct. On se casse. On sauvegarde. On sait pas pourquoi là, cette fois on a une bombe. Voilà, petite vision de fin. Comme si on allait se faire buter. Pour dire que 47 est toujours silencieux, tu vois. La petite musique, elle est sympa quand même. Salut les mecs. On va se casser là. Allez, dès qu'on est derrière les arbres, on court. Au revoir Hôtel Miteux. Bonjour la liberté. Et cette fois, on a fait tous les objectifs. Nickel. Du coup voilà, comme j'ai tué un civil, bah j'ai deux civils. Ah, peut-être le flic est considéré comme un civil. Ouais. Ok, donc on a professionnel. Ce que je trouve raisonnable pour à peu près 30 minutes de mission, mais 48 minutes de let's play. On se retrouve pour un autre épisode et pour une autre mission, les amis. Bisous.